Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Cap34 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sans Argent mais de la qualité, l'épisode 21 si je dis pas de bêtises. Et donc on va aller s'ouvrir le petit pack de début de vidéo tout simplement. Donc le petit pack du lundi, en espérant avoir une belle carte, une forme ou je sais pas, une carte qui se vend ou un up hein, vu que c'est le moment des up. Samaris, pas terrible, hein, pas terrible du tout. Okaka, ouais. On a eu Okaka, après le reste, pas intéressant. Donc on va tout mettre dans la pile. Et on va essayer de vendre tout ça. Lui, c'est un transfert, lui. Lui, c'est un transfert, j'en suis sûr. Donc voilà, hop, on va vendre. Le qui sont là, il va valoir le crédit, lui. Loftus Road, on va le vendre. Ça aussi. Ça aussi. Blessure, ça on va garder. Et le reste, on conserve tout le reste. Donc, les amis, ici il y aura qu'un seul changement dans cette vidéo. Donc, elle sera pas, le changement se fera pas dans cette équipe là, mais plutôt dans l'équipe ici. Dans l'équipe là, ce sera l'achat d'un défenseur droit, Pitchek, qui va rejoindre notre équipe. Donc, je vais l'acheter et on se retrouve tout de suite. Voilà, les amis, Pitchek est dans mon équipe. Il n'y a rien d'autre à ajouter, je pense. Ah oui, je l'ai acheté pour 5400 ou 5500, je pense. Je l'ai acheté 5500, voilà. Et donc, j'avais 31 000 à peu près et quelques poussières crédits. J'en ai plus de 26 000, mais non. On va aller voir ce que j'ai vendu lors des précédents épisodes. Donc, j'ai vendu Toufan 350, Pantilmon 650, Ogbona 900, Begovic à 1000, Farman à 700, Sileson à 700, Piatti à 750. Un style, je ne sais même pas quoi, 150. Mode Paris 400. Et un nouveau style à 200. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout lister et on se retrouve tout de suite. Voilà, tout est listé. Le reste, tout ce qui ne s'est pas vendu, je vais les vendre en vente rapide vu que ce n'est pas parti. C'est pas parti, ça ne partira pas maintenant. Donc, hop, ça va me faire des crédits en plus de ça, donc tant mieux. Lui, il dégage. Et les deux là. Champion d'entraîneur, pareil, ça dégage aussi. Donc voilà, je vous fais défiler à combien je les ai mis. Je les ai mis au prix minimum, tout simplement parce que je suis pas en besoin de crédit. De toute façon, ça va pas partir cher, ces cartes-là. Donc, je les ai toutes listées. Peut-être que certaines cartes vont partir plus cher, je l'espère. Et donc voilà. Donc on est parti, les amis. Nous sommes actuellement en division 6. On a 11 points. Il nous reste 3 matchs à faire. On va tous les faire dans cette vidéo, je pense. Donc il nous manque 5 points pour monter et 8 points pour le titre. Donc on est parti les amis. On se retrouve, on va commencer d'abord avec l'équipe là, je tenais à le dire. Avec l'équipe ici de Bundesliga. Donc on se retrouve dès que nous avons un adversaire. Alors on rencontre une équipe qui a 79 de notes, 100 collectifs, une équipe bien sympathique. Mix Bundesliga, mix Barclays Premier League, une équipe qu'on voit très rarement sur le marché, enfin sur les matchs, hein, dans le game. Le buteur en haut à droite, j'ai peur de lui, il me fait peur. J'ai l'impression qu'il va être rapide et qu'il va être cheaté. En tout cas, on verra bien, donc on se retrouve. Oula, ah oui, il a pris ce stade-là. Oui. Donc on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Attention à la frappe! Heureusement pour nous, elle est à côté. Aubameyang, la frappe d'Aubameyang pour le but! Magnifique passe en retrait de Çalhanoğlu et la frappe de Aubameyang qui rentre en pleine lucarne, je pense, hein, on peut le dire. Hein. Donc ça fait plaisir, les amis. 1-0. Oh, allez, mais tu dois la voir cette balle. Bien gardien, bien joué gardien. Continue comme ça, allez.
Oui, bien joué, ça. Yes, les gars, 2-0. Ça fait plaisir. J'ai pas voulu me précipiter, j'ai bien joué cette action. Et ça fait 2-0 pour nous. Ça fait plaisir. Oh non, mes joueurs, non, bien joué, gardien. Oui, bien joué, ça. Allez. Oh non! C'était quoi, ça? Oui, le centre. Va au centre, abruti. Bon, c'est pas grave. Allez, Aubameyang! Oh, le but! Oh là là, encore une pleine lucarne d'Aubameyang. C'est abusé, ce joueur, il est abusé. Et encore, c'est pas le up, hein, les gars. C'est pas le up, hein. Oh là là, bien joué. Bon, en fait, bien joué quand même, Aubameyang. Yes, les gars, 3-0. Magnifique appel de Aubameyang. Aubameyang pour le triplé. Et Aubameyang le triplé. Ça fait plaisir. 4-0 en 40 minutes. Et le rush kit. Voilà, nickel. Emballé, c'est pesé. Au revoir, mon adversaire. Yes. Voilà, les gars. 4-0 et le rush kit de mon adversaire. Triplé d'Aubameyang. Ça fait plaisir. Deux passes D pour Çalhanoğlu. Ça fait encore plus plaisir. Victoire 4-0, tranquillement. Sans difficulté. Ça fait plaisir, les amis. 4 tirs cadrés, 4 buts, 57% de possession. On peut dire que j'ai ultra dominé mon adversaire. On se retrouve, les amis, pour le deuxième match de cette vidéo. On a trouvé l'adversaire, les amis. 76 de notes. What the fuck? C'est quoi ce milieu de terrain à gauche, enfin à droite là? C'est quoi cette touffe? Le mec, il a une plus grosse touffe que Fellaini? Ah ouais, quand même. Je pensais pas que c'était possible. Ah si, c'est ce joueur-là, il joue avec Leicester. Et ouais, c'est vrai, je me rappelle, mais non. Il s'appelle Jésus, son club. Ok. il est dans mon équipe de KR Pro avec Leicester, c'est vrai. Ah, j'avais complètement zappé. Bon, en tout cas, ben, bon match hein, pour mon adversaire. Et on est parti pour l'amélioration de ce match. Bien joué, ça. Allez, la frappe et le magnifique arrêt de Begovic. Magnifique centre, dommage. C'est pas grave. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Frappe et but. Bon, ben j'ai raté mon truc, j'ai eu le temps de récupérer la balle et aller marquer. Ça fait plaisir. But de Sterling. En fait, je voulais pas faire ça, je voulais faire un... Bon, je vais essayer de vous le montrer après parce que le nom, je me rappelle plus. En tout cas, je vais essayer de vous le montrer après. Oh là, attention. Oh là, il y a une petite faute là, non? Oh là, c'est bon. Hop, je voulais faire ça en fait, les gars. Je voulais faire ça, mais je voulais qu'il la passe entre ses jambes aussi. Je voulais pas qu'il la fasse ainsi. Je voulais qu'il la passe entre ses jambes, mais j'aurais dû avancer. Donc voilà, mais ça l'a pas fait. Ça a fait ça. Ça l'a étonné, à mon avis, tout comme moi. Donc tant mieux. Et donc, ça fait plaisir, hein, les amis. Allez, la passe. Magnifique passe ici pour Rémi. Rémi, tu l'as la mettre, s'il te plaît, Rémi. Rémi, le poteau. Oh non, le poteau de Rémi, dommage. Attention, non. Bien gardien, magnifique parade. Allez, il n'y a pas d'hors-jeu. Allez Rémi, tu la mets cette fois-ci. Tu la mets pas, mais c'est pas possible. Allez, Benteke cette fois-ci. Oh, il y a une faute. Benteke, deux fois, oui, le but. Ouais, c'était chaud, hein. C'était chaud. Doublé de Benteke. Enfin, but de Benteke plutôt, pas doublé. Je dis de la merde là. Voilà, là, hop, un bug, un magnifique bug. Et après, il reprend la balle. Et ça fait but, ça fait plaisir. 2-0. Ah ben, ça fait plaisir pour le moment, les amis. Je domine. 58% de possession à 42. 4 tirs à 6, 2 tirs cadrés seulement à 3. Je ne cadre pas beaucoup mes frappes dans ce match. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On se retrouve pour la deuxième mi-temps.
Oui, bien joué. Oh, il m'empêche de passer. Dommage. Ma passe était magnifique. Dommage. Oh, la frappe! Oh my god, la frappe de Benteke, je pense que c'est lui, ouais, c'est lui. Oh, la frappe qu'il a fait, les gars. Je pense qu'elle partait en pleine lucarne. Je suis pas sûr, mais je pense. On va peut-être le revoir. Boum! Papa, oh, il l'a raté avec son crâne. Bon, peut-être pas en pleine lucarne, mais en tout cas, elle partait bien. Ouh, là-bas, il y a un petit joueur, là-bas. Là-bas, il y a un petit joueur. C'est Cochenny. On tente quand même, c'est pas grave. On tente quand même. Ouais, elle passe pas loin. Elle passe pas loin. Magnifique passe ici pour Rémi. Allez, Rémi. La troisième, c'est la bonne. La quatrième. La cinquième. Non. Non, contre favorable. Attention. Ouh, le poteau. Ça n'a pas de chance, mon adversaire. Non, 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 non. Bien défendu, ça. Non. Oui, gardien. What the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'était chelou, en tout cas. Oh non, 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 non. Je fais le con, là. Je fais le con. Je fais le con. C'est bon. On va calmer le jeu. Là-bas à droite, il est tout seul. Victoire les amis, ça fait plaisir. Sous le score de 2-0, Loris m'a fait un excellent match. Ça, je peux le dire, hein, il m'a fait un excellent match, Loris, ça fait plaisir. Et donc, on remporte ce match, sous le score de 2-0. On continue comme ça les amis, on est en division 5, c'est sûr et certain. Et maintenant, on va jouer pour avoir le titre. Allez les amis, on rencontre notre dernier adversaire. Et il a une belle équipe de Barclay Premier League. Avec de la rapidité, hein. Walcott, Rémi, c'est quand même rapide ça. Bon, Zabaleta, c'est pas rapide, Benz non plus. Kyle Vertonghen, c'est pas mal. Eriksen, Dembélé et Chouaini, c'est quand même bon, hein. C'est une belle équipe. On va falloir se méfier. On est parti pour les meilleures actions de ce match. Attention, oh, la frappe sous le poteau. Oh, dégagez-moi cette balle, voilà. C'était chaud là, très chaud même. Allez, la petite passe, c'était pas pour lui, mais c'est pas grave. La frappe et l'arrêt du gardien, dommage. Attention. Oh, le poteau encore une fois, il a vraiment pas de chance mon adversaire. Il a vraiment pas de chance. Bien joué, allez, tu peux l'avoir, oui tu l'as eu Hernandez. Allez, Chicharito. Chicharito, la frappe, le poteau, la frappe, non, j'ai raté, j'ai mal joué là, j'ai mal joué, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il vient de se faire? Mais non, mais c'est pas là que j'ai dirigé la balle. Ah, le mec, il a fait le phoque, il a fait le phoque, mon joueur. Non, 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 pas un but ainsi. Oui, poteau encore. Ah, le 3-1, les amis. On peut dire que c'est 3-1, le score. 3 poteaux à 1. Bon, les amis, c'est la mi-temps. 0-0. Ou plutôt, on pourrait dire 3-1. Pas 1-3, plutôt. Je pense que ce match va se compter pas sur le nombre de buts, mais sur le nombre de poteaux. Il y en a déjà 4 dans cette vidéo. Enfin, dans ce match, c'est un truc de fou. Oui, la passe, la frappe, la magnifique arrêt de ce gardien, enfin le magnifique arrêt plutôt. Allez Aubameyang, allez Aubameyang, tu te bats, l'arrêt du gardien à la tête, dommage. Oui, bien joué ça, bien joué la frappe, pourquoi tu frappes comme ça, pourquoi tu frappes du pied gauche là? J'ai envie de faire une frappe pied droit. Attention à Rémi, la frappe, le poteau, encore un poteau. Mais non, mais c'est un truc de fou, les gars. 4-1. 4-1, les gars. Encore un poteau. Ah non, le mec, je pense qu'il a vraiment pété un plomb, mec. 5? Non, 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 non. Non? Oui.
le but qui est mérité, on va se le dire. Hein. Il est en famille. Bon, malheureusement, je sais pas pourquoi. Regardez à quelle vitesse revient mon défenseur gauche. Là, j'ai rien compris. J'appuie sur la touche de pressing. Et le mec, il a arrêté de courir. Donc, on passe en attaque de folie. Et depuis la 70e minute de jeu, 70e pour les Français, ça n'arrête pas de laguer comme ça. Un petit lag comme ça, par-ci par-là, c'est chiant. Donc, voilà, ça m'a pas aidé non plus hein, pour défendre. Mais bon, c'est pas grave, les gars. C'est tout à fait mérité. Hein, vu. Non, mais c'est pas là la passe. Mais vu le match de mon adversaire, c'est tout à fait mérité qui marque ce petit but, tout simplement. Allez, le centre, dommage. Et ben voilà les amis, c'est la défaite, mais c'est pas grave, on monte quand même en division 5. Oula, j'ai failli faire tomber ma manette. Donc on obtient 6214 crédits, ça fait plaisir. Et donc on perd ce match, mais voilà, c'était un match what the fuck, le mec méritait de gagner. Je le dis, quand je mérite de gagner, je le dis, quand c'est l'adversaire, je le dis. Donc voilà, ben voilà, on obtient la montée, ça fait plaisir. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine les amis, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo de Sans Argent mais de la qualité. Ciao ciao tout le monde.